suis employée au CLJ en tant que salariée avec un contrat aidé. Alors le CLJ, c'est le Centre de loisirs des jeunes. Cette année, ça s'appelle Centre départemental de la prévention de loisirs des jeunes. Mon travail consiste à coordonner tous les projets sur les vacances scolaires, projets à moyen terme ou à long terme. Donc là, pour cet été, j'ai coordonné les 9 séjours de Montalivet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que des fonctionnaires de police. Donc Bernard Afonso, il est directeur au CLJ aux Aubiers. Jean-Pierre Bonaudin, il est directeur du CDPLJ à Senon. Et Pierre Caz, il est directeur adjoint sur les deux structures. Donc quand l'un n'est pas là, il le remplace. Et après, on est ouvert les mercredis, le samedi aux enfants de 10h à 17h. On ferme entre midi et 2. Et là, on n'a que des animateurs qui sont fonctionnaires de police. Donc en fait, ils sont dans leur commissariat le reste de la semaine. Ils posent des dates, 3 à 4 dates par mois. C'est accordé par leurs supérieurs et ils viennent la journée nous filer un coup de main. C'est ça que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gamins qui disent trop rien, qui restent dans leur coin et qui finalement écrivent, se lâchent complètement sur l'écriture. Ceux qui sont là, ils se l'ont vraiment fait mais à fond et je pense que ça a permis de se découvrir entre eux. Ça a tissé certains liens qu'on n'aurait pas cru au départ et je trouve que ouais, c'est un bon bilan positif. Autant que vous êtes, c'est de la pureté qui sort de vous là à l'intérieur. Bam, ça sort. Ça fait du bien de voir ça. On se bat pour ça. Croyez en vous. Sincèrement, croyez en vous à 200%. Yeah. Bernard Afonso, directeur du Centre départemental de prévention et de loisirs des jeunes depuis septembre. J'étais adjoint depuis 2006, brigadier de police. Mis à disposition d'une association loisirs sains, reconnue utilité publique dans les quartiers sensibles de Bordeaux, sur ce nom et sur les Aubiers. Et déjà, c'est quelque chose qui est complètement, pas opposé, mais qui est tout à fait nouveau pour nous, puisque nous, on est plus dans l'encadrement et dans l'apprentissage des règles au niveau des jeunes, alors que vous êtes plus dans le ressenti et dans l'expression des jeunes. Donc c'est vrai que ça a été, j'ai trouvé pour cette première, vraiment une complémentarité hyper intéressante, puisque nous on est plutôt dans l'encadrement, dans fais ci, fais ça, et vous c'est t'exprimes quoi, qu'est-ce que tu aimerais faire quoi. Voilà, donc les gamins ils ont besoin des deux, et je trouve qu'ils s'y sont bien retrouvés, et je pense qu'ils l'ont bien rendu, et c'est un hommage aussi que je leur rends, parce qu'il faut du courage, et c'est vraiment pas évident, moi-même, à titre personnel, je n'aurais jamais pu le faire quoi.